bienvenue sur notre plateau. Ce soir, notre invité principal, c'est Charles Pasqua. Ouais. Charles Pasqua, bonsoir. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Non. Donc vous êtes sénateur des Hauts-de-Seine. Je rappelle que le Sénat, c'est cette jolie maison de retraite qui est près de l'Odéon. Non, c'est un club. Oui. C'est un club, mais c'est le seul club de Paris où l'on est payé. Ah oui, puis payé, vous êtes payé 11 540 euros par mois, plus 1000 euros de prime informatique. Alors ça veut dire que vous pouvez acheter un Mac tous les mois, quoi. Hein. Et le budget du Sénat, quand même, c'est beaucoup. Hein. C'est 300 millions d'euros par an, quand même. Hein. Celui de l'Assemblée, de combien? Sauf que le Sénat, on se demande un peu à quoi ça sert, des fois. Non, vous avez tort, parce que c'est une maison sérieuse. Ouais. Au point de vue du travail, la qualité est supérieure ouais. à celui de l'Assemblée nationale. Les lois, quand elles sortent de chez nous, elles ont été véritablement étudiées sous tous leurs aspects et peaufinées. D'accord. Voilà. Alors, sénateur des Hauts-de-Seine, Charles, mais pourquoi les Hauts-de-Seine? À cause du climat? C'est le hasard. Ouais. En tout cas, vous n'avez pas du tout l'accent des Hauts-de-Seine. Hein. Il n'y a pas d'accent propre aux Hauts-de-Seine. Ouais. Mais pourquoi vous avez gardé l'accent là? C'est pour que les Français vous aiment, malgré les casseroles que vous avez, Charles? Non, je n'ai fait aucun effort pour le perdre. Ah ouais. Ça vous rend sympathique, hein? Oui, oui. Ça fait oublier un peu les casseroles. Enfin, c'est vous, c'est pas les casseroles, c'est une quincaillerie. Vous pourriez On verra ça tout à l'heure. On verra ça tout à l'heure. Donc en P1, Charles, nous parlerons de vous et de votre livre « Ce que je sais » aux éditions du Seuil, le tome 2 de vos mémoires politiques, qui est passionnant et très précis. Alors c'est marrant parce que vous vous souvenez de tout, hein, c'est phénoménal. Il n'y a que devant un juge où vous ne vous souvenez de rien. Ah si, si. Je me souviens de tout aussi, c'est bien ce qui les gêne. Ah oui, d'accord. Donc en P2, nous commencerons l'actualité de la semaine en compagnie de Laurent Deutsch, qui nous parlera aussi de la pièce qu'il interprète à la Comédie des Champs-Élysées à partir du 30 janvier, l'anniversaire de Pinter. Vous connaissez Laurent Deutsch, non? Non. Laurent Deutsch, la pubiope. Je vais le connaître. Ouais. Oui. Faut pas mélanger avec Jacques Weber. Jacques Weber, c'est Danacol. Ah oui, ça, Jacques Weber, ce qui est très étonnant, c'est de voir que tous ces acteurs de théâtre font des pubs pour des yaourts, on ne sait pas pourquoi. Toujours en P2, nous rejoindra Frédéric Bonneau, chroniqueur politique sur Europe 1, et chroniqueur cinéma dans Le Cercle sur Canal Plus Cinéma. Bono, vous connaissez pas Bono? La bande à Bono, oui. Non, mais ça pourrait être le cas. Il rêve de vous rencontrer. Il vous adore. Mais tant mieux. Ouais, il veut même vous faire la bise. Je sais pas si ça sera possible. Ça me gêne pas. Ouais. Sauf sur la bouche, évidemment. Ouais, bien sûr. Vous allez bien vous entendre. L'émission s'appelle Salut les Terriens et le groupe Les Gréements de Fortune. Alors, Charles Pasqua, rebonsoir. Ce qui est très paradoxal avec vous, c'est qu'aux yeux de beaucoup de Français, vous incarnez l'homme politique madré, voire roublard, qui a toujours su échapper aux diverses informations judiciaires déclenchées contre lui. C'est vrai que vous êtes quand même recordman de France des mises en examen qui n'ont jamais débouché. Je crois que c'est vous. Peut-être n'avait-elle aucun fondement. Peut-être, c'est notre hypothèse. Enfin, vous incarnez quand même une sorte de parrain de la politique. Et quand on connaît votre vie un petit peu, on sait que vous étiez dans la résistance à l'âge de 15 ans, militant gaulliste, luttant contre les nazis. Comment Jean Moulin est-il devenu Don Corleone? C'est trop facile de dire ça. Ouais. Mais ça aurait pu être. Ouais. C'est arrivé malheureusement à quelques-uns. Mmh. Ouais. J'aurais pu être tout autre, j'aurais pu être... D'ailleurs, je le suis resté un peu. Mmh. Paradoxalement, ça ne se voit pas tellement. Mais je suis assez anard, en définitive. Ouais. Vous êtes né en 1927, oui. Ce qui vous fait 82 ans. Et oui. J'aimerais être comme vous dans 22 ans. Vous êtes né à Grasse, dans une famille corse, une famille modeste. Votre grand-père était berger en Corse. Votre père est venu en métropole, il est devenu officier de la paix. Votre mère, corse aussi, était ouvrière dans une usine de parfums à Grasse. Donc une famille modeste, patriote, proche du Front populaire. Et quand Pétain est arrivé, votre père a refusé de prêter serment à l'État français. Oui. Il apprend qu'à Londres, un certain général de Gaulle appelle à la poursuite du combat. Et là, toute la famille entre dans la résistance. Et vous aussi,
À 15 ans ? Oui, parce que mon oncle avait été arrêté. Donc à 15 ans, vous battiez les armes à la main. Oui. Donc votre engagement vous vaut la carte 5755 des combattants volontaires de la Résistance et la médaille de la France libre quand même. Bravo. Voilà. Alors après la guerre, vous restez fidèle à De Gaulle, à qui vous vouez un véritable culte. Vous êtes dit, je suis prêt à mourir pour lui. Oui. Et cette phrase extraordinaire, s'il avait été Tito, oui, je serais devenu communiste. Certainement. Ah ouais. Ouais. Donc c'était plus un attachement à De Gaulle qu'à une idéologie. Non, pour ceux qui le représentaient. Ouais. Pour moi, De Gaulle, c'était la France éternelle. Ouais. Puis c'était la France au-dessus des partis, etc. Ouais. Alors après De Gaulle, effectivement, là, vous êtes un peu orphelin, vous cherchez un père, vous cherchez un partenaire. Dans un premier temps, vous croyez le trouver en Chirac. Vous imaginez pour Chirac un destin national. Qu'il aura d'ailleurs, effectivement. Mais en reniant quand même... Pas tout à fait celui que je souhaitais. Voilà, en reniant la promesse qu'il vous avait faite de maintenir le cap du gaullisme, en fait. Voilà. En fait, c'est un rat-de-soc, quoi. Oui. Radical socialiste comme son père. C'est un rat-de-soc corrézien. Oui. Corrézien, voilà. Oui, oui. Ouais. Avec des côtés extrêmement sympathiques. Dans l'opération Serre à la louche, il est le plus fort. comme problème. Je me rappelle, dans un de nos parcours électoraux, il passe devant un type qui lui dit « enculé ouais. ». Et lui, il lui répond « Jacques Chirac ». C'est plus drôle que « casse-toi, bon con ». Ah oui, oui, c'est une différence dans l'humour. Ouais. Quand même, en tout cas, sur Chirac, vous dites quand même que c'est beaucoup de temps perdu pour la France. Hein. Vous n'êtes pas tendre avec lui dans votre bouquin. Mais on n'est jamais tendre pour les gens qu'on a beaucoup aimés. Bah, quand oui. Il vous a déçu. Vous dites qu'il est irresponsable, mystificateur, que l'élection de 1995 a été une supercherie. Vous parlez d'opportunisme, de pusillanimité, d'aveuglement. Dis donc, vous l'avez beaucoup aimé, parce que là, vous êtes très dur avec lui, quand même. Eh oui. Qui aime bien, châtie bien. Ah, c'est clair. Alors, vous avez été donc déçu par Chirac, et puis ensuite par tous ceux que vous avez choisis pour oublier De Gaulle, sauf Seguin. Ah oui. Seguin, il vous plaît bien, Seguin. Oui, ben c'est le seul qui ait gardé cette sensibilité, à la fois le contact populaire et aussi la volonté de faire bouger les choses. Oui, oui, oui. Parce que Balladur, bon... C'est pas vraiment un homme d'État. Oui. Et De Villiers à la fin. Là, vous êtes là. C'est-à-dire que dans votre recherche de père après De Gaulle, vous êtes quand même. Après, ça s'est terminé avec Philippe De Villiers quand même. Ah non, c'est lui qui cherchait un père. Ah ouais, bonne nouvelle. Voilà, alors, vous vous retrouvez en fait seul, parce qu'il n'y a personne qui trouve grâce à vos yeux. Et là, vous pensez à vous présenter vous-même, en disant après tout, pourquoi pas Charles Pasqua. C'est vrai qu'à un moment, c'était assez crédible, l'hypothèse. Et là, dites-vous, vos emmerdes commencent. Parce que après la percée aux européennes en 99, vous commencez à menacer Chirac pour la présidentielle de 2002, et vous dites que là, quand même, on a commencé à vous chercher des poux dans la tête. J'ai été ministre de l'Intérieur, ça ne vous a pas échappé. Oui, d'accord. À deux reprises. Vous connaissez la combine. Oui. Bon. Oui. Alors, je ne crois pas aux coïncidences. Oui. Voilà. En fait, ce qui est marrant avec vous, c'est qu'on croit que, en fait, vous avez des dossiers sur tout le monde, mais vous êtes aperçu à ce moment-là que tout le monde en avait sur vous aussi. Voilà. Moi, je n'ai de dossier sur personne. Non, ah bon? Mais c'était une grande blague. Oui, c'est une grande blague, mais qui vous a fait craindre pendant oui, des années. Oui, absolument. Oui. Quand je suis arrivé au ministère de l'Intérieur en 1986, je m'abusais beaucoup de la crédulité des gens. Oui. Alors, surtout qu'à Paris, un certain nombre de personnages, des battus vus, oui, qui ne vous disent pas bonjour, et puis tout d'un coup, vous avez un poste influent. Alors, c'est Paris. Cher ami, comment allez-vous, etc. Ouais. Et alors, certains de ceux-là, lorsqu'ils se présentaient comme ça, « Ah, cher ami, comment allez-vous ?» Alors, quand ils avaient la main tendue comme ça, je disais « Depuis que j'ai lu votre fiche, je ne peux plus vous serrer la main. » Alors, l'affaire en cours en ce moment, c'est l'Angola Gate. Alors, ça, je me suis toujours demandé ce que je voulais faire là-dedans. Vous n'êtes pas responsable des ventes d'armes à l'Angola ? Votre fils non plus ? Non plus. Non plus. Alors vous dites, c'est Yves Bertrand, en fait, qui a magouillé les choses. Et c'est vrai, donc, quand on voit les carnets de Yves Bertrand, ex-patron des RG, c'est vrai que c'est surréaliste, quoi. Je veux dire, ce que ce mec-là était capable d'inventer pour nuire aux gens, quand même. Hein. Oui, ça c'est clair. Et puis alors, de surcroît, pour quelqu'un qui était chef d'un service de contre-espionnage, passer son temps à écrire tout ce qu'il faisait, c'était quand même le comble. C'est un graphomane. Alors que moi, je me souviens que quand j'ai commencé très jeune dans les services de renseignement, la règle de base,
que nous disaient les instructeurs anglais quand on en rencontre un, c'était relativement simple. C'était « keep your secret, secret ». Ben oui. Gardez votre secret, secret. Ben oui. Alors, vous dites, de toute façon, vous dites « je n'ai honte de rien, je ne me repens de rien ». De rien. La repentance, ce n'est pas votre truc, non. Charles. Ouais. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Non, mais... Sérieusement, vous n'êtes pas inquiet quand même de l'image que vous avez laissée à la postérité ? Ah oui, mais vous savez, on ne peut pas faire une carrière politique sans qu'il y ait un certain nombre d'anicroches et d'aléas. Ouais. Mais je pense que les Français, dans le fond, ne s'y trompent pas. Ouais. Vous avez quand même bien fait deux, trois conneries, Charles, quand même. Non, mais on en fait tous. Non ? Lesquelles ? Je sais pas, je vous demande. Non, je n'ai pas le sentiment. Non. Ah ouais, c'est à ce point-là. Dis donc. Ouais. Ça va être sympa le jugement dernier avec vous. Ça n'a pas duré longtemps, en fait. Écoutez, on est ce qu'on est. Ouais. Quand je regarde ce que j'étais, tout ce que j'ai fait, ce que je suis devenu, je n'ai pas de regrets à avoir. J'ai eu à prendre des décisions lourdes de sens. L'arrestation des gens d'Action Directe, ça aurait pu très mal se terminer. L'école maternelle de Neuilly, pareil, l'Airbus d'Air France à Alger, c'était à votre... idem, là, au moment où vous prenez la décision, vous devez savoir que vous êtes tout seul. Hein. Ouais. Vous êtes seul, il n'y a personne. Ouais. Voilà, donc le bouquin est publié aux éditions du Seuil. Ça s'appelle « Ce que je sais », trois petits points. Ça veut dire que vous en gardez un peu sous le coude. Il y a des choses que je ne dirai jamais. Ouais. Il y a des choses qui sont couvertes par ce que je considère, moi, comme étant la raison d'État, et des choses qu'on n'a pas à dire. Voilà, c'est tout. Comme vous le savez, en P2, nous recevons de nouveaux invités pour commenter avec nous l'actualité de la semaine. Ce soir, Laurent Deutsch, bonsoir. Et Frédéric Bonneau. Alors, Frédéric, Laurent, vous connaissez Charles Pasqua, l'inventeur des charters pour le Mali. C'est lui, il est là, c'est ça. C'est vrai. Je n'en ai fait qu'un. Ah. Mais j'ai montré la voie. Ah ouais, depuis, ça y va. Hein. Oui. Hortefeux, il copie, hein. Oui. Mais le fond du problème, c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on le résoudra, le problème. Ouais. C'est de développer l'Afrique, le problème. Bien entendu. Alors, Frédéric, ce soir, je crois que vous pouvez enfin réaliser le rêve de votre vie. Serrer la main de Charles Pasqua. Monsieur le ministre. Et pourquoi pas, est-ce qu'on pourrait imaginer en fin d'émission une petite bise, peut-être, non? Pas sûr. Mais enfin, c'est drôle parce que je me retrouve assis à côté de celui qui est mon pire souvenir d'enfance. Ah ouais? Mais donc voilà, je le vois en vrai, ça, à côté croque-mitaine. Ouais. Et en même temps, ce qui s'est passé depuis un peu plus de 20 ans, c'est que la société est devenue tellement à droite que lui se retrouve au centre, quasiment. Donc, gaulliste, bon, au-dessus. Voilà, au-dessus. Voilà. Oui. Alors, Frédéric, en fait, vous allez voir, il y a un truc avec Charles. C'est qu'on ne peut pas s'empêcher de le trouver sympa. Mais vous ne pouvez pas lutter contre Fernandel. Non, voilà, on ne peut pas. Voilà. Alors, avant de parler de la pièce de Laurent, on va voir si vous connaissez bien Charles Pasqua. On va faire un quiz. Dit, pas dit. Jacques Chirac manque de couilles. Dit. Dit. Non, il a dit manque de conviction. Mais enfin, il pensait couille. Il pensait couille en même temps. D'accord. Les promesses des hommes politiques n'engagent que ceux qui les reçoivent. Dit. Dit. Bonne phrase. Mais l'auteur, ce n'est pas moi. Ah bon? C'est Jacques Chirac. Alors qu'il est honnête. Oui. Nous avons les mêmes valeurs que le Front National. Ça, j'ai bien peur qu'il l'ait dit. Ouais. Ah, vous l'avez dit, ça. Pas sous cette forme, mais ah ça bon a été dit. Oui. C'est quoi ces valeurs que vous avez en commun avec le Front National? C'est les valeurs auxquelles nous croyons et que le Front National avait reprises à son compte. Ouais. Puis il nous avait piqué aussi nos électeurs. Qui n'étaient pas très convenables. Ouais. Sarkozy a été malin, hein, quand même. Oui, il a fait l'inverse. Ouais, il a pas eu besoin de s'associer avec le Front National. Il leur a piqué leurs électeurs sans rien dire. Il a fait ce que Mitterrand avait fait au Parti communiste. Voilà. Bah oui. Sans plus. Il faut terroriser les terroristes. Oh. Ah. Ouais. Un classique immortel. Ça, c'est une phrase énorme. Il faut plomber les plombiers. Non. Non. Il faut pomper les pompistes. Non. La démocratie s'arrête où commence l'intérêt de l'État.
Il est bien capable d'avoir dit ça. Il est bien capable d'avoir dit ça, il l'a dit. Nous avons commis la plus belle escroquerie du siècle. Nous avons fait croire aux Français que nous étions de droite. Ça aussi, il est bien capable d'avoir dit ça. Il l'a dit, oui. Vous avez dit ça à quelle occasion, M. Pasqua? Jamais dit ça. Ah bon? Jamais. Vous n'êtes pas devant le juge, là, vous pouvez dire la vérité. Non, mais je vous dis la vérité. Vous n'auriez pas fait un très bon juge. Vous êtes trop rigolo. Ben ouais. Ils sont... Je suis du midi, c'est pour ça. Comment ça, j'ai un accent? Oh oui, ça peut être dit, ça. Non, il ne l'a pas dit. Chez De Gaulle, j'aime tout. L'homme, le porte-avions, l'aéroport. Non, il ne l'a pas dit, ça. Le Pen n'est pas un mauvais bougre. Il s'est laissé un peu emporter par son enthousiasme, c'est tout. Vous êtes bien capable d'avoir dit ça, non? Non, il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit, non. Bon, tant non. Mieux. Non. Saddam Hussein est mon ami... Et il le restera. Non, pas dit, pas dit. Non, pas il dit. L'a pas dit. Trop malin pour avoir dit. Mais vous êtes copain avec Bongo et Berlusconi en même temps, hein? Oui, mais c'est pas tout à fait la même chose. Oui. Berlusconi, j'ai contribué à le lancer en politique. Oui, c'était plutôt amusant. Ah, on vous doit ça aussi. Oui. Les Italiens, mais ça me plaignent. L'idée de supprimer le juge d'instruction, c'est une idée de Berlusconi, tu sais bien. Bien sûr. Bayrou est le seul homme politique à m'avoir assuré que la Sainte Vierge lui était apparue et lui avait prédit qu'il serait président de la République. Ça se tient. Il était tard, alors, il était très très tard. Ouais. C'est vrai. Oui, mais pas sous cette forme. Ah bon? Il m'a dit qu'il avait reçu la visite de la Vierge. C'est parce qu'il habite à côté de Lourdes. Et que la Vierge lui avait dit, un jour, tu seras roi de France. Parce que au temps de la Vierge, il n'y avait pas de président de la République. Tout a une fin, sauf le saucisson, qui en a deux. Non, c'est juste un bridou, qu'a dit ça. Bien. Je n'ai jamais rien fait d'illégal. Il a dit ça, ouais. Non, il n'a pas dit. Il n'a pas dit ça. Il a pas dit, il le pense. Vous connaissez bien. Vous connaissez bien votre Pasqua, c'est bien. Alors, Laurent Deutsch, rebonsoir. Vous êtes ici pour l'anniversaire. Une pièce de Harold Pinter qui est mort en apprenant que vous alliez jouer dans la pièce. Il a dit « Deutsch, plutôt crevé ». Et il est mort. Il est mort. Ça l'a tué, oui. Donc, avec vous, Jean-François Stévenin, Émilie Chénet, Andréa Ferréol, Jacques Boudet, Nicolas Vaude. Voilà. Alors, le pitch. Vous êtes le seul pensionnaire d'un hôtel au bord de mer tenu par un couple, on va fêter votre anniversaire, d'où le titre, quand deux personnages débarquent qui, sous prétexte de vous aider, vont vous manipuler. Exactement. C'est ça l'histoire. Le thème de la pièce, c'est vraiment une comédie de la menace, ouais, et de l'influence. Le principe même d'Harold Pinter et du théâtre de l'absurde, c'est de ne pas nous livrer de clés, ouais, et de ne pas nous donner de messages. On ne saura jamais finalement si dans cette mise à mort d'un innocent ou d'un coupable, ceux qui sont venus le chercher étaient des bourreaux, ouais, ou des gens vraiment qui devaient le préserver la société de ce type-là. Quoi. On ne saura jamais. On sera tout le temps dans cette confusion qui maintiendra le public, j'espère, dans cette incertitude et dans quelque chose de passionnant et de trépidant. Alors, après des débuts pétaradants dans la comédie avec Jet Set, Le Raid, 3-0, Les Ripoux 3, L'Américain, d'un seul coup, vous étiez écœuré par cet engrenage, tournage, promotion, tournage, promotion, tournage, promotion. Vous vous êtes dit, ça va me broyer. Ouais, j'avais d'autres aspirations en tant que comédien. Je voulais faire autre chose. Je voulais surtout voyager dans le temps parce que j'ai une passion pour l'histoire. Et j'ai passé une année à refuser systématiquement les comédies et les choses ça comme ça. Ça a dû être dur, ça, quand même. Ouais, c'est dur parce que les gens disent en plus, il a pris le melon, il veut plus rien faire et tout ça. Oui, si, apprendre à dire non, je pense que voilà, c'est aussi le fait de devenir adulte, savoir ouais, dire non. Et puis voilà, et puis au théâtre, donc Amadeus avec Polanski, Vitrac, Les Enfants au pouvoir, Oscar Wilde, de l'importance d'être constant. Et maintenant, Pinter. Ouais. Ouais. Donc vous ne regrettez pas votre choix? Non, non, pas du tout. Il s'est engagé dans la résistance, lui aussi, finalement. La résistance au pognon, mesure, au oui, cinéma, ouais, et oui, tout ça. Voilà, c'est une résistance. Et au conformisme. Ouais. Il faut dire aussi que vous aviez fait L'Américain. Quand on a fait L'Américain, c'est sûr qu'on a plus envie de faire du théâtre que du cinéma. Voilà, on passe maintenant aux commentaires de l'actualité de la semaine avec les infos de Blacko 1.
On se demandait combien de temps Obama mettrait pour nous décevoir. Eh ben, on n'a pas été déçus. Attention, top chrono. I, Barack Hussein Obama, I solemnly swear. I, Barack Hussein Obama. Eh ben déjà, il lui a coupé la chic, mais bon, passons. That I will execute the office of President to the United States faithfully. That I will execute. Oh, top! 12 secondes! Cette fois, il s'est vraiment planté. Hein. Ça faisait à peine 10 secondes qu'il était président et déjà Obama n'était pas à la hauteur. C'est pourtant pas compliqué de répéter 35 mots, mais apparemment, il a eu du mal à dire « faithfully ». Si c'est pas un lapsus révélateur, ça, un type qui fait des tonnes de promesses et qui bute sur le mot « fidèlement », ça n'inspire pas vraiment confiance. Si Bush avait fait la même gaffe, on se serait pas gêné pour lui balancer une godasse dans la gueule. Et parce que c'est Monsieur Obama, il faudrait rien dire. Allez tiens, c'est le métier qui rentre. N'empêche, ça doit foutre une sacrée pression d'être le type censé sauver le monde à lui tout seul. Du coup, dans son discours, au lieu de dire « je », il a préféré dire « nous ». On les a comptés, il a dit 3 fois « je » et 93 fois « nous ». Nous allons vous tendre la main. Oh l'autre, c'est un peu facile de se planquer dans la foule pour fuir ses responsabilités. Alors bien sûr, il pourra toujours dire que son slogan c'était « Yes, we can » et pas « Yes, I can ». Heureusement, notre chef du monde à nous, il n'est pas comme ça. Dans son discours d'investiture, Sarkozy a fait tout le contraire d'Obama. Quand on refait les comptes, il a dit seulement 2 fois « nous » et 27 fois « je vais me battre ». Ah bah voilà, ça c'est un chef du monde. Il n'a pas besoin de nous, puisqu'il décide de tout, tout le temps, tout seul. Après avoir été battu au présidentiel en 2007, après avoir été battu au congrès du PS en 2008, ça y est, cette fois c'est décidé, en 2009, Ségolène Royal arrête la politique. Elle a décidé de se reconvertir dans le comique. Elle est actuellement en promo pour son premier spectacle intitulé « Obama m'a copié », un one-woman show délirant où l'ancienne responsable politique imagine qu'Obama a envoyé des espions dans le Charente-Poitou pour se faire élire à la Maison-Blanche. Oh là là, c'est comique, mais on se demande où ils vont chercher tout ça. Voilà, c'était les infos de Blacko, mise en image de Julien Gras, bravo. J'avais vu les cérémonies de... Il y avait Aretha Franklin, c'est vachement bien, parce que Mireille Mathieu était pas libre, mais c'était quand même... Non, mais c'est quand même pas mal, hein. Bon, alors, vous avez vu les élections, ça vous a plu? Bon, moi, je trouve qu'il commence pas mal. Ouais. Il s'occupe du Proche-Orient avant toute chose, il veut fermer Guantanamo. Qu'est-ce qu'on peut demander plus 24 heures après l'investiture? C'est quand même pas mal. Ouais. Mais il a fait aussi d'autres choses dont on nous parle moins. Ouais. Premièrement, il a annoncé à tous ses collaborateurs qu'ils ne seraient jamais augmentés pendant la durée de leur... passage à la Maison-Blanche. Ouais. Deuxièmement, il a pris une autre mesure. Il a interdit à ses collaborateurs tout contact avec les responsables du lobbying. Ouais. Il leur a dit, il faut choisir. Ça, c'est très important pour la suite, parce que le mélange des genres était permanent. Il y a quand même un truc génial, c'est le type qui dit « Aïe, Barack Hussein ». Hussein Obama, qui est son second prénom. Après presque 10 ans de guerre des civilisations, entendre un président qui est noir, qui s'appelle Hussein comme second prénom et qui jure sur la Bible, c'est quand même... En France, qui on a le mieux placé, c'est Mousse Diouf pour la présidence de la République. Non, mais c'est vrai. Alors, il incarne l'espoir, sérieusement, mais il incarne aussi le retour à la morale, non? La morale a toujours été au premier plan. Des démarches politiques aux États-Unis. La morale et la religion, c'est une des différences essentielles avec notre système. Bush, quand même, pendant 8 ans, c'était tellement tout le temps immoral dans sa façon de faire la guerre, de faire tout. Je suis assez pour la morale, moi, en politique. Pas forcément ailleurs, mais en politique. En politique, ça tombe bien. Oui, dans le journalisme aussi, ça serait pas mal. Oui, je suis assez... Je trouve qu'on a un peu la grandure. J'ai entendu dire que ça ne serait jamais arrivé en France. Je ne suis pas tellement d'accord. Je crois que dans les années 50, aux États-Unis, il y avait une ségrégation très forte. C'est vrai que ça allait très très vite, ça s'est accéléré, ça s'est délité. En France, le rapport avec, on va dire, une immigration visible vraiment sur la couleur de peau, c'est plus récent que les Américains. Ouais. Et je trouve qu'on a déjà fait beaucoup plus de progrès et que ça se diffuse et ça s'est mélangé. Laurent, pas sur la représentation politique. Sur la représentation politique. Si tu regardes l'Assemblée nationale, elle est bien... Bah, écoute, c'est marrant, mais
d'ouvriers, pas d'arabes, pas de noirs. Moi, j'ai le souvenir, j'ai grandi dans un village dans la Sarthe qui s'appelle Sablé-sur-Sarthe. Ouais. Aujourd'hui, c'est M. François Fillon qui est maire, où il y a eu un maire de couleur qui était Raphaël Élysée. Mais voilà, je trouve qu'on a quand même la dent dure envers les Français. On est quand même le pays de l'abolition de l'esclavage. Schœlcher, il est chez nous. On est le siècle des Lumières, éclairé des libertés. Et voilà, faut pas trop taper sur la France quand même. Vive la France! Alors, dites-moi, vous n'avez pas le sentiment que Obama énerve Sarkozy un peu, quand même, non? Parce que Sarkozy, il était quand même un peu... tout seul, là, il faisait... C'est possible, oui. Quand Sarkozy s'agite, part en Égypte, part en Syrie, en disant quand même à Israël, arrêtez, celui qui a le pouvoir de les faire réellement arrêter, il s'appelle Barack Obama. Alors, Ségolène Royal a déclaré, oui, j'ai inspiré Obama et ses équipes nous ont copié. C'est quand même énorme, non? Non, mais elle en loupe pas une, quoi. En plus, c'est faux, parce que si Obama avait copié Ségolène, il aurait perdu. Oui, non, mais voilà. Alors, d'ailleurs, depuis, elle a dit, elle a expliqué que c'était de l'humour. Elle a dit, bien sûr, c'était une plaisanterie. Oui, une plaisanterie. Mais enfin, le Parti Socialiste est une plaisanterie. Oui. Alors, finalement, cet Obama qui a été élu, on le connaît assez mal, ce qui autorise les rumeurs les plus folles sur lui. On va voir si vous savez reconnaître les vrais des fausses. On va faire les rumeurs sur Obama. Barack Obama, purée de la gueule au réveil. Par rumeur. Michel. Sa femme Michel l'a confirmé. Barack Obama fumerait. Rumeur. Non, il fume. Ah, il fume. C'est ce qui le rend sympathique. Oui, absolument. Parce qu'il est tellement parfait, ce type-là, qu'à un moment, on se dit quand même, il a bien un défaut. Ben, il fume des clopes. Bravo, Barack. C'est vrai que ça rend sympathique. Barack Obama aurait consommé de la marijuana et de la cocaïne. Possible, c'est vrai. Il l'a dit. Quand il était jeune. Vous, non. Non. Charles. Vous n'allez pas quitter cette terre sans avoir eu le plaisir d'un bon pétardos, quand même. Même quand j'étais mis de l'intérieur, j'ai pas été tenté. Ouais, et pourtant, il y en avait qui arrivaient, hein. tout est saisi. Non, mais Charles, c'est le petit jaune, c'est le Ricard. Ah oui, ça, c'est différent. Ah ben, il a bossé chez Ricard, vous étiez obligé d'en boire, hein. Oui, naturellement. Ouais. Mais ça ne fait pas de mal, la preuve. C'est des herbes, hein. La première mesure de Barack Obama serait de faire en sorte que ce soit les Blancs qui meurent en premier dans les films d'Hollywood. Non. Barack Obama aurait bafouillé lors de son serment d'investiture. Eh oui. Mais est-ce que c'est pas le mec qui lui faisait répéter si, qui s'est trompé en le président. C'est lui qui l'a fait. Mais là où il est malin, c'est qu'il l'a refait le lendemain. Fox News qui commençait à dire « c'est pas le vrai président ». Donc il s'est dit « je vais y aller ». Quincy Jones aurait été chargé de réorchestrer l'hymne américain. Frédéric. Rumeur, bienvenue. Barack Obama aurait fait aménager un panier de basket à la Maison Blanche. Oui. Par rumeur. Barack Obama serait gaucher. Oui. Ah, oui. Par rumeur. Je l'ai vu signer, c'est vrai qu'il est gaucher. Et puis il est bien gaucher inversé en plus. C'est le vrai gaucher. Ouais. Barack voudrait dire grosse testicule en swahili. Rumeur. On continue notre commentaire de l'actualité de la semaine avec les infos de Blacko 2. Charles Villeneuve va se faire virer du PSG. Eh ben tant mieux. Comme ça, le club est de retour à la une des journaux. Parce que depuis 6 mois, les supporters parisiens avaient l'impression de soutenir un petit club de province qui n'intéresse personne. Avant l'arrivée de Villeneuve, c'était autre chose. Quel suspense quand le club a failli descendre en Ligue 2. Quel scandale quand il y a eu la banderole. Et quelle émotion quand un policier a tué un supporter. Bref, tout allait pour le mieux avant que Villeneuve arrive et fasse gagner cette équipe. Heureusement, en décidant de le virer, l'actionnaire du club provoque une bonne crise qui permet au PSG de retrouver sa place à la une. Non mais sans blague, c'est quand même le club de la capitale. Ils sont pas gênés, ces banquiers. À cause d'eux, tout le monde va devoir se serrer la ceinture et ils étaient encore prêts à se goinfrer de bonus faramineux. Heureusement, notre président a tapé du poing sur la table. Il me semble que suspendre en 2009 les parts variables des principaux cadres dirigeants sur le résultat 2008 est bien le minimum que nous attendons d'elle.
Grâce à lui, les vilains banquiers seront privés de bonus cette année. D'ailleurs, pour bien montrer qu'on est tous dans le même bateau, le président a décidé de montrer l'exemple. Selon le rapport d'Ozier, en 2008, les 98 collaborateurs directement embauchés par l'Élysée avaient été augmentés de 27%. Et ben en 2009, serrage de ceinture oblige, ils ne seront augmentés que de 20%. C'est ça être solidaire. Ma petite entreprise connaît pas la crise. On croyait qu'on avait touché le fond de la crise, et en fait, ce sera pire. La Commission européenne annonce que la récession sera 4 fois pire que prévu. Moins 1,9% au lieu des moins 0,5% prévus il y a un mois. Quant au chômage, il devrait grimper à 10,5% l'an prochain, contre 7,8% actuellement. Pour comprendre ce qui nous attend, on peut se référer aux courbes de Kondratiev. Selon cet économiste russe, le capitalisme évolue sur des cycles longs d'une soixantaine d'années. En 29, c'était la Grande Dépression. Allez hop, tout chousse jusqu'à la guerre. Puis, dans les années 50, avec des taux d'intérêt au plus bas, l'économie redémarre. À partir de 65, la bulle spéculative recommence à gonfler. Comme prévu, les taux sont au plus haut dans les années 80. Comme prévu, la bulle se maintient quelques années et d'un coup, plop, la bulle éclate. Et nous, on en est là. Tout en haut de la montagne russe de Kondratiev. Vous voyez ce qui nous attend ? Voilà, c'était les infos de Blacko 2. Bravo, bravo, Julien Grapp, mise en image, formidable. Alors Laurent, vous avez beaucoup joué au ballon étant jeune, vous êtes fan du PSG, vous êtes nominé au César dans la catégorie acteur supporteur du PSG avec Gérard Darmon, Patrick Bruel, Ramzi Bedia, Dominique Farrugia. Vous devez être effondré là, de ce qui s'est passé au PSG. Tout allait bien. Puis comme si ça pouvait pas durer, Villeneuve. Ça prouve que ce coup-là, c'est une crise qui n'est pas une crise du terrain, c'est une crise un peu au niveau du portefeuille. Ça prouve bien que ça va bien au PSG. Ça prouve que là, il y a un bout de gâteau à manger. Quoi. Il se bagarre parce qu'il y a quelque chose qui est en train de sentir bon, c'est que le PSG renaît de ses cendres et, voilà. Et qu'il existe. Et qu'on est le seul club français cette année à jouer sur tous les tableaux. Pourquoi Charles Villeneuve a écrit cette lettre ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a redressé le club. Personne ne lui accordait de crédit avant que ça arrive. Et effectivement, maintenant, on joue les premiers rôles en championnat et en Coupe d'Europe et en Coupe de France et en Coupe de la Ligue. Donc, le gars, il veut peut-être avoir des responsabilités élargies. Et non, on lui dit non, pas possible. Parce qu'en plus, justement, ça devient juteux, là, donc t'auras rien. C'est tout simplement ça. Donc, il va se faire virer quand même. Ça va faire deux fois en un an après TF1. Ça va faire mal au CV, ça, ouais. Voilà un Charles qui est plus malheureux que vous, en tous les cas. Les bonus des banquiers. Vous avez vu ce qu'ils prennent, les banquiers ? Les mecs, ils prennent facilement, les patrons des banques, 2 millions d'euros, comme ça, de bonus, juste comme ça, quoi, pour la bière, quoi. Non, mais c'est incroyable, hein. Non, puis pour aller plus loin, dans le côté odieux, c'est qu'il y a une pauvre petite employée de banque qui se fait poignarder au nom de ça, un petit peu, il y a quelques jours. Ouais, c'était... Même, Laurent, même sans aller jusque-là, t'as le moindre petit découvert, il te loupe pas, quoi. Non, mais c'est là où Sarkozy, là, je dois reconnaître, il sait faire. Là, il joue sur du velours. Ouais, il est bon. Et quand il dit c'est le minimum, ben, comment ne pas être d'accord avec lui ? Évidemment que c'est le minimum. Oui, il est bon. Quand on a une oligarchie, qu'elle soit bancaire ou même fonctionnaire, on peut pas compter sur elle pour se réformer toute seule, quoi. Il faut un peu l'obliger. N'est-ce pas ? Ils ont perdu le sens commun. C'est clair. Oui, il aurait fallu les arrêter. Ah, les arrêter. Il faut terroriser les banquiers. Absolument. Que les terroristes. N'empêche qu'autour de Sarkozy, ils sont tous augmentés de 20%, ce qui n'est pas le cas chez Obama, en tous les cas, vous avez vu. Mais où est la preuve de tout ça ? Vous n'êtes pas devant le juge. Non, mais j'en dis. Est-ce que vous avez les preuves, monsieur le juge ? J'accueille Stéphane Guillon. À vous, Stéphane Guillon, pour la semaine. La lutte anti-tabac s'intensifie. En une de Télérama, voici le nouveau visuel des paquets de cigarettes. Effectivement, ça fout la trouille. Mercredi, Nicolas Sarkozy a dénoncé le faste coûteux des cérémonies de Washington. Que n'aurait-on entendu si j'avais fait le dixième de tout cela ? C'est vrai, le soir de son élection, il avait invité Faudel, Mireille Mathieu et Didier Barbelivien. Ça coûte moins cher, ça coûte moins cher que U2, Bruce Springsteen et Aretha Franklin. Avoir mauvais goût, c'est très économique.
En novembre, dans une lettre de félicitations, Sarkozy a écorché le nom d'Obama, Barack QUE. Il aurait dû demander de l'aide à Brice Hortefeux. En un an, Brice a rempli 30 000 fiches d'expulsion en prénom étranger. Il est super balèze. Pour loger les étudiants, Valérie Pécresse va mettre à leur disposition des conteneurs à cargo empilés les uns sur les autres. C'est pratique, pas cher. Et s'ils font chier à manifester, on remet le conteneur sur un cargo. Durée de vie d'un conteneur, 60 ans. Après leurs études, ils peuvent rester au chômage jusqu'à la retraite sans bouger. Merci Valérie. Première sortie pour le nouveau ministre du Travail, Brice Hortefeux. Et regardez, c'est un vrai bouleversement. Brice ne calcule même plus la gueule de la femme noire assise à ses côtés. S'en fout. Et bien. Revirement de Ségolène Royal qui, après avoir déclaré que Barack Obama s'était inspiré de ses méthodes pour gagner, précise, c'était de l'humour. Ah. Une blague pas très drôle et en même temps, Ségolène a démarré sa carrière de comique il y a seulement 2 mois au Zénith. Soyez indulgents. Ouais. Humour toujours et cette fois-ci, c'est une blague de Jérôme Kerviel dans Le Parisien. Cela me démange de retourner travailler sur les marchés. Sacré Jérôme. Des employés de TF1 jugés pour avoir piraté les bronzes étroits. Pirater, c'est moche, mais pirater une grosse dope comme les bronzes étroits, c'est vraiment de la connerie. Dans le New Jersey, un enfant de 3 ans, baptisé Adolf Hitler, a été retiré à ses parents. Comme quoi, plus con et plus crasse que Dieudonné, c'est possible. Bilan contesté du Dakar sud-américain. Attendez, 3 morts, c'est déjà pas mal, hein. Les Français sont jamais contents, Thierry. Ouais, c'est tout, quand même. Ça, c'est pas... Des toilettes neuves équipent la Station spatiale internationale. 14 millions d'euros pour chier en apesanteur. Barre pour maintenir les jambes des astronautes pour qu'ils ne décollent pas du siège. Ventilation et aspirateur à excréments pour les expulser dans l'espace. Bon appétit à tous, si vous êtes à table. Sortie d'un nouveau mobile. Pour le recharger, il faut le secouer. C'est une super idée pour les ados. Sortie également de la première montre téléphone. Ah, excusez-moi. Allô? Oh, comment ça va? C'est Julien Drey. Ah bon? Attends, tu l'as acheté toi aussi? Il s'est acheté d'abord. Et comment tu l'as payé? En liquide? Ah non, t'aurais pas dû, c'est pas le moment ça, non pas. Hein? Attends, je lui demande. Il demande s'il peut venir samedi prochain pour s'expliquer. Mais bien entendu, il a dit qu'il s'expliquerait. Ouais, ouais, Thierry, je serais très heureux de t'avoir avant tout le monde. Bien sûr. Et sois à l'heure. Ah. Allez, on t'embrasse, Julien, on t'embrasse. Ah. Petit moral, hein. Il était pas bien en ce moment. En plus, ça captait mal, il était chez Rolex, et là, c'est vrai que ça passe, ça passe pas bien. Mais bon, c'est bien. Et on termine avec cette alerte à l'héroïne frelatée, 26 overdoses en Île-de-France. À quand un coup de gueule de Jean-Pierre Coff? On veut une héroïne du terroir, bien de chez nous. La petite héroïne pure qu'on achetait dans le temps et qui faisait planer grand-papa et grand-maman. On chauffait la dose au feu de bois, à la cuillère. Pas une héroïne trafiquée, ces trucs dégueulasses, coupés avec du Xanax et toutes ces saloperies. C'est la merde! À la semaine prochaine, merci beaucoup. Salut. Merci. Merci Stéphane, qu'on retrouve la semaine prochaine et sur canalplus.fr, bien sûr. On va voir si vous avez bien suivi l'actualité de la semaine. On passe au champion de l'actu. Qu'est-ce qui fait pleurer Jean-Luc Delarue? La fin de la publicité sur France Télévisions, la suppression de Ça se discute, la dernière couverture de Voici ou la mort de Claude Berry? La mort de Claude Berry. Bravo, Charles Pasqua, la mort de Claude Berry.
Et en fait, Jean-Luc Delarue était en train de réaliser un documentaire sur Claude Berry et il a dit « Sa mort m'a tué ». Voilà, bravo Charles, bravo, un point. Voilà. Selon Isabelle Adjani, qu'est-ce qui, aujourd'hui, fait partie de la carrière d'une actrice ? Remercier Claude Berry, faire des téléfilms pour France 2, être ambassadrice d'une marque de sac à main, adopter un enfant, sortir un disque ou publier son autobiographie. Être ambassadrice d'une marque de sac à main. Bravo ! Lancel a sorti le Adjani Bag. Elle est méconnaissable dessus. Ouais. Vraiment. On la confond avec le sac. Ah, je ne sais pas combien de mètres de peau elle s'est fait tirer, mais je l'ai... Je sais. Non, mais c'est franchement, terrible. Elle est méconnaissable. Son nom n'est pas marqué. Non. Et j'ai dû galérer, j'ai dû demander, moi, pour... Ah, oui. En plus, j'étais au théâtre, c'était compliqué, j'étais de loin avec des jumelles et tout. Alors, attention, là, il n'y a pas de QCM, hein. C'est une question et une réponse. En pleine crise financière, la ville la plus endettée de France vient de miraculeusement se faire accorder un prêt de 100 millions d'euros par la Caisse des dépôts et consignations. Quelle est cette ville ? Mais c'est pas notre ami Balkany. Bravo ! Vous êtes pote avec Balkany ? Non, oui, oui. Là, il s'est bien débrouillé. Oui, c'est bien d'être ami avec le président. Oui, on a 100 millions d'euros. Ça sert, vous voyez, comme ces quoi. C'est les origines hongroises qui ressortent. Ben oui, voilà, c'est ça, ils étaient potes, en fait. Le père de Balkany avait un magasin de mode où Sarkozy travaillait. C'est comme ça qu'il a connu Balkany, c'est vrai. Bah c'est Balkany qui nous l'a dit. Bah, j'en sais rien. Tu étais là, toi. Ouais, ouais. Chaque fois qu'il y a Balkany ou Pasqua, ça tombe sur moi. T'invite, évidemment. Non, si tu fais Pandro, je viens pas. Pandro, qui a dit en allant rendre visite à Rachida Dati à la maternité, je ne suis pas le bon cheval. Bernard Laporte, Arthur, Dominique de Saigne, François Sarkozy, José Maria Aznar ou Charles Pasqua. En tous les cas, c'est pas moi. Non. C'était la porte, non ? Non. Non. François Sarkozy. François Sarkozy. Bravo. Vous savez qui est le père de la petite Zora ? Vous le savez ? Regarde-le. Hé, Charles. Qui a dit ? Vous avez vu le monde, il est vaste. On peut être deux, trois ou quatre. Nicolas Sarkozy à propos d'Obama, Madonna à propos de Britney Spears, Cristiano Ronaldo à propos de Lionel Messi ou Mahmoud Abbas à propos d'Israël. Nicolas Sarkozy à propos d'Obama. Bravo. Je sais qui c'est qui est dans le corps de Sarkozy, là. Je sais d'où vient l'iconographie. Ah ouais ? Ah, ça, c'est la Roche-Jacquelin, ça. Ah, bien. Chef des choix en Vendéen. Oh là là. Ah ouais, c'est vrai. C'est la Roche-Jacquelin. Attention, une question, une réponse. À qui Nicolas Sarkozy aurait-il proposé le poste d'ambassadeur représentant permanent de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies à New York ? Jack Lang. Jack Lang. Jack Lang qui dément. Je pense que Jack Lang dément toujours. Oui. C'est vrai. Jusqu'à ce qu'il accepte. Ouais. Complétez cette phrase de Brice Hortefeux. Fadela Amara est une compatriote, je sais, on ne dirait pas. Malgré tout, faut s'y faire. Comme c'est pas forcément évident, je le précise, ou tant pis. Comme c'est pas forcément évident, je le précise. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire... Alors, voilà, parce que moi, j'ai mis du temps à comprendre. Voilà. C'est-à-dire qu'au départ, je me suis dit, toi... Là, il m'a mis en colère. Quand on entend ça, on se dit c'est pas possible. Ouais. Et puis après, on se dit c'est pas possible. Ouais. Il peut pas parler comme ça de sa secrétaire d'État. Donc ça veut dire autre chose. Donc ça veut dire que Fadela Amara, comme Brice Hortefeux, sont de Clermont-Ferrand. Voilà. Oui. Voilà. On se disait qu'à force d'expulser tout le monde, ouais, ça lui était un peu monté au cerveau. Ouais, ouais. Quoi. Donc, et personne n'a pris ma borne, jurerait. Que Fadela Amara est auvergnate. Ni Brice Hortefeux, d'ailleurs. Et Brice Hortefeux non plus, d'ailleurs. Plus. Voilà. Non, mais voilà. L'Auvergne, c'est plus ce que c'était. Hein. Attention, là, le plus proche l'emporte. Pendant les 12 années où il a été député, combien de temps Nicolas Sarkozy a-t-il pris la parole à l'Assemblée nationale ? Tout le monde le sait, c'est passé dans la presse, ouais, etc. Ouais. On a dit qu'il était intervenu pendant une heure. Ouais, moins d'une heure, bien. Bravo, Charles Pasqua.
Attendez, Nicolas Sarkozy, qui est extrêmement respectueux du Parlement, en 12 ans, il a posé deux questions, il a proposé un amendement. Ça prouve à quel point il est respectueux du Parlement. Oui. Il intervient qu'à bon escient. L'histoire des députés socialistes qui vont chanter la Marseillaise au pied du siège de M. Accoyer et tout ça. Vous croyez vraiment qu'il y a une menace sur la démocratie si on limite le nombre d'amendements? Je trouve que tout ça est assez grotesque. Ah ouais, que ce soit fait par les socialistes ou par la droite, parce que ça leur est arrivé aussi. Bon, ouais. Le problème des Français aujourd'hui, c'est autre chose. Que le nombre d'amendements, la durée sur les amendements, etc. Ouais. Vous ne pensez pas que c'est une atteinte à la démocratie, quoi? Non, mais en tout cas, c'est bizarre quand même. On nous fait une réforme constitutionnelle en nous disant attention, ouais, attention, on va renforcer, on va augmenter les droits du Parlement. Mais ce qui est vrai. Et quelques mois mais plus tard. Mais ce qui est vrai, mais ça n'a rien à voir. Écoutez, je trouve qu'on ne peut pas dire à la fois le Parti Socialiste est atone, on ne les entend pas, etc. Et puis tout d'un coup, quand ils se réveillent en sursaut, dire ils en font trop. Moi, je préfère qu'ils en fassent un peu. Ça me dérange. Ouais. Non, mais d'accord. Il faut que le Parlement ait le temps de débattre. C'est normal. Mais la flibusterie, ça sert à rien. Mais nous l'avons fait aussi. Bien sûr, mais la flibusterie, elle est quand même beaucoup plus du côté du président. Quand un président de la République décide de son propre chef, sans consulter personne, qui va nommer lui-même, pour prendre un exemple que tout le monde connaît, les présidents des chaînes de radio et de télévision publiques, moi, je suis assez content qu'au Parlement, il y ait des flibustiers qui, par leur opposition et même par leur blocage, font en sorte que, du coup, ça se voit qu'il y a eu flibusterie. Parce que nommer soi-même et pouvoir les révoquer, les présidents de chaîne, c'en est quand même une sacrée de flibuste. Oui. Bon. Question que je vais vous poser quand même là sur Sarkozy. Vous en voulez de vous avoir piqué la mairie de Neuilly à l'époque? Non, pas du tout. Non? Si j'avais vraiment, à l'époque, si j'avais vraiment voulu la mairie de Neuilly, personne ne me l'aurait piqué. Stéphane, on en est où? Frédéric Bonneau en tête. Ça n'a aucune importance. Les compteurs sont remis à zéro, puisque maintenant, c'est le banco. Aïe, aïe, aïe. Attention, on se concentre, parce que celui ou celle qui va répondre à cette question va être champion de l'actu de la semaine. Hein. C'est pas rien, ça. Attention. Pour quel produit Geneviève de Fontenay fait-elle actuellement de la publicité? Une convention obsèque, un produit pour les appareils dentaires, une baignoire à porte, un chapeau qui ne tombe jamais, une ceinture de chasteté ou un maillot de bain intégral? C'est dur. C'est pour Iratiche? Non. Alors, chapeau qui ne tombe jamais. Une ceinture de chasteté. Non. Un maillot de bain intégral, une convention obsèque. Non. Alors, est-ce que quelqu'un sait dans la salle? La baignoire. La baignoire, bravo. Bah oui. La baignoire à porte. Attention, regarde la réponse. La baignoire à porte, c'est idéal pour moi. Pas besoin d'enjamber. Quel confort et quelle sécurité. Alors là, je dis chapeau. Voilà. Eh, vous n'avez pas une baignoire à porte, vous? Vous rentrez dans votre baignoire normalement. Oui. Ouais. Bien, ben voilà, c'était le champion de l'actu. Donc le champion, c'est Mademoiselle. Bravo. Bravo. C'était Salut les Terriens avec Charles Pasqua. Pour ce que je sais, aux éditions du Seuil, Laurent Deutsch, merci. L'anniversaire de Pinter à partir du 30 janvier à la Comédie des Champs-Élysées. Bravo en tous les cas. Frédéric Bonneau, merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve donc sur Europe 1 tous les jours. Vous y êtes toujours, hein? Frédéric Bonneau, la conscience de gauche d'Europe 1, mesdames, messieurs. Ah, ça va leur faire plaisir. Voilà, on vous retrouve dans le cercle. L'émission de Frédéric Bédé sur Canal Plus Cinéma. Je vous laisse en compagnie de mes amis de Groland Magazine. Je vous retrouve la semaine prochaine. Salut les Terriens! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.